Alors, au niveau de la communication, nous avons tout un dispositif qui est à la carte, un plan de communication annuel avec 10 à 15 opérations qui comprennent à chaque fois tous les outils, que ce soit le dispositif magasin ou toute la création de trafic, le dispositif média par exemple. Ces opérations reprennent tous les grands temps de communication professionnelle opticien, la presse BC, le solaire, la contactologie, la rentrée, ce genre de choses. Et nous avons des opérations différenciantes et spécifiques, comme l'opération luxe qui arrive à la fin de l'année, une opération qui est une opération professionnelle qui est vraiment destinée à mettre en avant le professionnalisme de nos opticiens qui arrive là en octobre. Voilà, là-dessus, nous essayons toujours d'avoir des communications différentes, esthétisantes. Et qui permettent vraiment de positionner nos adhérents. Nous avons des collections exclusives. Là encore, l'atout majeur, c'est de pouvoir se différencier, proposer aux opticiens de se démarquer sur le terrain, dont une exclusivité collection femmes haut de gamme qui est Furla et qui fonctionne très bien sur le terrain. Au-delà de ça, tous nos services sont à la carte et tous nos services donc, sont payants pièce par pièce, j'ai envie de dire. Donc l'opticien ne paie que ce qu'il consomme, comme on a tendance à le dire.